Salut les sorciers, on se retrouve pour cette troisième vidéo de Brico Sorcier sur les Kit Collector de Gallimard. Donc, rapide rappel, les Kit Collector de Gallimard, ce sont des livres avec une maquette en bois à monter sans outils ni colle. Donc c'est uniquement des pièces en bois qui s'emboîtent les unes avec les autres. Il y en a 4 sur Harry Potter, le Quidditch avec le vif d'or qu'on a monté dans notre première vidéo, Buck qu'on a monté dans notre seconde vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Aragog et la prochaine fois on parlera de Dobby. Dans un kit collector, qu'est-ce qu'on a? On a un livre explicatif avec différents dessins conceptuels, des secrets de tournage, des explications sur comment ça s'est passé, comment on a créé la créature, etc., etc., des photos de films. Voilà, donc ça c'est le bouquin, et ensuite il y a la maquette à monter. Le tout se vend à 18,90 € ou 18,90 € dans toutes les librairies. Et voilà, on va directement enchaîner sur la maquette. Dans la maquette, on retrouve un guide de montage. Alors cette fois-ci, pas d'erreur, on va bien suivre toutes les instructions. On va mettre le guide de montage. Au milieu, voilà. Et une planche en bois avec les différentes pièces qui sont numéroté pour qu'on puisse facilement retrouver sur le guide de montage quelle pièce utiliser où. Et on va pouvoir démarrer. Donc il faut la pièce 1 et la pièce 2. Donc toutes les pièces se détachent simplement en poussant dessus. Il faut faire évidemment attention à ne pas casser des petites parties de bois plus fragiles. Ici, il n'y en a pas vraiment dans la pièce 1, mais à mon avis, il n'y en a pas non plus dans la pièce 2. C'est souvent pour les parties plus longues, il faudra peut-être faire attention un peu avec les pattes, même si, honnêtement, sur les deux premières maquettes, c'était quand même très solide et assez peu de difficultés à détacher les pièces, même les plus fines et les plus longues. Mais bon, il faut mieux toujours faire un peu attention. On est parti pour le montage et on se retrouve à la fin pour les explications, pour voir le résultat final. Et voilà, on se retrouve pour le résultat final de notre Aragog. Ouf. Alors, visuellement, elle est quand même assez bien foutue, assez impressionnante. Elle est grande quand même, hein, c'est la taille d'une main avec les pattes. Par rapport aux autres, j'ai trouvé les pièces plus difficiles à détacher, certaines plus difficiles à intégrer, notamment les pièces 10-11 qui sont vraiment séparées d'une toute fine bande, et comme elles ont plein de petits interstices pour les caler, mais hein, quand on essaie de les détacher, la probabilité de casser cette partie-ci qui les sépare quand même assez forte. Bon, c'est pas grave parce que c'est casser le bois de la maquette, c'est pas la pièce en elle-même qui risque de se casser, mais elles sont quand même plus difficiles à détacher. La mandibule ici aussi est plus compliquée à détacher parce qu'elle est assez fine et que la partie centrale ici bouge très fort vu qu'elle n'est tenue que par un petit bout de ce côté-ci. Et puis bon, là vous voyez, j'ai même cassé un inter de pattes quand j'ai voulu le détacher parce que pareil, c'était très fin. Je sais plus du tout comment il va, voilà, comme ça. C'était vraiment très très fin comme attache, vous voyez, c'est juste deux points, et donc quand on essaie de détacher ces deux pattes là, ce qu'il y a entre les deux est très difficile à ne pas casser quand on les détache. Et puis beaucoup plus de pièces aussi à clipser, comme ici les yeux qui au final ne sont attachés à rien d'autre que le petit bout de bois qui dépasse sur lequel on les a clipsés. Les grands yeux aussi. Alors les grands yeux sont tenus aussi par les plaques de côté, donc ça les maintient plus en place, mais sinon c'est beaucoup plus de pièces qui se clipsent plutôt que deux pièces qui s'emboîtent entre elles, et ça complique toujours un peu la tâche. Et puis aussi la fragilité ici des mandibules qui ne sont tenues par pas grand chose et qui sont assez fines, et donc il faut faire très attention. Enfin, pareil avec les pattes, hein, vous allez me dire, mais il faut faire très attention. Et sinon, dans les détails, on peut voir. Allez, ici. Okay. On peut voir les petits dards là derrière. Les deux petits dards. À l'avant, donc, tous les yeux. Les deux grands yeux principaux, les quatre petits yeux en dessous, les yeux de côté aussi. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pouf, un petit bout de bois qui reste ici attaché à la patte. Bon, pas trop grave. Donc voilà, on rappelle encore une fois. Ce sont les kits collector de Gallimard Jeunesse, en vente dans toutes les librairies à 18,90€, 18,90€, avec donc leur kit à monter. Vous pouvez aussi le peindre, mais la peinture n'est pas fournie avec. Et un manuel, un livret avec plein d'explications, de secrets de tournage et de visuels sur un thème précis, ici Aragog. On se retrouve très vite pour le dernier épisode de la série sur les kits collector Harry Potter avec le montage de Dobby. À la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous pourrons ainsi vous proposer une vidéo similaire pour les autres kits. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et retrouvez-nous sur le site gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez également soutenir la Gazette sur Tipeee pour toujours plus de contenu de qualité.